place. May the Lord bless you all. On peut se mettre. Can we all sit now? Nous allons, nous sommes en train de parler depuis le mois précis. We have been speaking since last Friday. Sur un thème qu'on a intitulé avoir la pensée de Christ. We have been speaking about having the thought of Christ. Hallelujah. Avoir la pensée de Christ. Having the thinking or having the thought of Christ. Et le vendredi, on s'est basé sur le sous-thème. And last Friday, we spoke about the, on the subject. Qui a été inspiré, parce que le thème et le sous-thème ont été inspirés par l'esprit, l'ange de l'Église. Because the subject and the other subject were inspired by the Spirit of God. Un ange de l'Église qui est le pasteur, il nous a donné ce thème pour qu'on puisse développer ça. And the angel of the church, who is our pastor, gave us that subject for us to be speaking about. Et le sous-thème qu'il nous a donné qu'on puisse développer. And the subject, on the subject that was given to us, c'était comment gagner les âmes. Was how to win souls pour Christ. For Christ. Comment gagner les âmes pour Christ. How to win souls for Christ. On avait voulu se baser sur ces sous-thèmes. We wanted to speak about that on the subject. On a compris que beaucoup de gens voulaient savoir beaucoup sur le thème qui dit avoir la pensée de Christ. Well, of course, that people want to know a little bit more about the main subject, which is having the thought of Christ. Parce que pour ceux qui étaient là le vendredi, on a eu beaucoup de questions sur avoir la pensée de Christ. And for those who are here Friday, you can remember that we had a lot of questions about having the thought of Christ. Alors, on a cherché un peu à switch pour qu'on puisse d'abord commencer par le thème. Et puis nous allons rentrer par la grâce de Dieu au sous-thème qu'on a commencé déjà à développer depuis le vendredi. Therefore, we want to go back to the main subject, which is the having the thought of Christ, and we will be talking about the other subject later on. Et j'ai compris que dans la vie, and I understood that in life, il y a un problème très sérieux concernant le mot. First, a very important thing about the word. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes appelés à vivre selon la foi. Because we Christians are supposed to live according to faith. Nous sommes appelés à croire à ce que la Bible nous dit. We are supposed to be believing en ce que Dieu nous dit. What God is telling us. Mais le monde nous pousse. But the world is pushing à beaucoup de mots, à beaucoup de définitions. To have so many definitions, to have so many of words. La Bible nous dit que quand le diable est venu dans le jardin d'Eden. The Bible says, as when the devil came into the Eden garden, il n'a pas créé d'autres mots. He did not create other words. Mais il est venu causer la confusion sur la connaissance que la femme avait. But he came to brought some kind of confusion on the knowledge that the woman had. Alléluia. C'est un homme qui dira à Eve. That way we say to Eve. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits du jardin? Is God has really said that won't be eating of the fruits in the garden? Alléluia. Parce qu'il a utilisé ce mot réellement dit. He used the word really. Ça a causé des doubts. And this dans ce que Eve connaissait. In what Eve was do. Alléluia. Dans la connaissance qu'elle avait sur ce que Dieu. In about the knowledge of what she received from God. Avait dit. What God said. Avec Dieu, nous devons croire. With God, we need to believe. Parce que on est accepté par Dieu par notre foi. Because we are accepted by God through our faith. Ce n'est pas par combien on connaît. It's not on how much we know. Parce que la Bible n'a jamais été pas écrite en français, même en anglais. But the Bible was not even written in French or in English. Tout ça, c'est ça, on a interprété la Bible. But we have interpreted the Bible. Pour qu'aujourd'hui, qu'on soit en train de comprendre ça dans notre langue. That's why we are today able to understand it in our language. Et le mot peut être aussi deceitful. Et the word can be deceitful.
faithful. Je veux que tu amènes la foi à la table. I just want you to bring faith on the table. Que tu puisses dire Dieu inspire à son serviteur quelque chose. Because when God inspired his servant something, c'est que Dieu du haut des cieux connaît pourquoi il a donné l'inspiration. That God himself knows why he has inspired our spirit. C'est la première fois que Dieu, depuis que j'ai commencé à prêcher. It's for the first time since I started. Qu'on me donne le thème et le sous-thème. That I've been given the subject and the sous-thème. Et j'ai aimé ce que le pasteur a dit. Il m'a fait un message. And I really appreciate what the pastor said. Quand il m'a demandé de parler sur ça et sur ça, il m'a dit quel esprit de Dieu te dirige pour que tu donnes le message. And when the pastor gave me the subject and the other subject, et je me demandais moi-même des questions. And I have to say, pourquoi est-ce que j'ai le thème et le sous-thème? What did I give? What was given the thème? I have no window to develop the message. Je n'ai pas développé le message. Mais ce qu'il a dit, c'est ce qui est important. But what he said was what ne parle pas avec ta connaissance. Don't speak with your own words. Ne parle pas avec tes mots. Don't speak with your own words. Ne parle pas avec l'esprit de Dieu. But speak with the spirit of God. Que l'esprit de Dieu te dirige, te conduit. Let the spirit of God direct you. Et j'ai compris quelque chose. And I understood something. Qu'il était en train de me passer l'esprit de Dieu à venir sur sa tête. And he was giving me the spirit that God has put on his head. La réalité c'est quoi? The reality is, même si on se tient ici, even if we stand here, et on prêche, on fait l'onction, on fait tout ce qu'on peut we faire. We preach and we give anointing. On le fait sous l'esprit qui est sur le pasteur. We do it because of the spirit. Parce que c'est lui l'ange de l'église. Because he is the angel of the spirit. Notre connaissance, our knowledge, est déterminée sous l'esprit que Dieu a mis sur lui. Is determined by the spirit of God that is. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi la Bible dit. I understood today why the Bible says. Receive the people, the men of God with double portions. Dans notre génération, on a oublié cela. In our generation, we have forgotten about it. Que le roi de Dieu deserve the double honor. Les rois de Dieu, the anointing of God, deserve the double portion. Alléluia. Écoutez-vous, apprendre à donner aux hommes de Dieu double honneur. And we need to learn to give to the men of God the double portion. Un jour la Bible dit. And one day the Bible said. Dieu livra. Mais Saül au devant de la vie. God gave Saul in front of life. Il était là pour tuer. He was here to kill. Mais David a coupé la pomme de sa mort. But David cut his throat. Et la Bible dit David dit quand il coupait cette robe, il tremblait parce qu'il a touché la robe de l'homme de Dieu. But when David was touching the robe of Saul, he was trembling because he was touching the robe of the anointing of God. Mais le serviteur de David dit, tu es Dieu qui l'a présenté entre tes mains. And the servant of David said, kill him because God has put him onto the robe. Et il a dit, on ne peut pas, je ne peux pas toucher au roi de l'éternel. And David said that he couldn't touch the anointing of God. Alléluia. Apprenons à ne pas toucher au roi de l'éternel. Let us learn not to touch on the anointing of God. Anointing of God. Alléluia. Apprenons à ne pas pousser l'homme de Dieu de rentrer avec des puissances. Let us learn not to push the men of God to go back home with bitterness. And to go back with bitterness and asking himself questions. Parce que nous bloquons la bénédiction, nous bloquons le flow de la bénédiction de Dieu. Because we are blocking the flow of the blessing of God. Alléluia. Avoir la pensée de Christ. Having the thinking or the thought of Christ. And last Friday I said I'm going to spare you from a lot of giving you a lot of definitions. But today I need to give you some definitions. Maybe to help us to understand better. Le message, vous savez que Dieu veut nous dire. Ah, well, I know that God wants to speak words. Okay, le mot clé. The keyword here. Qui a beaucoup, gave us a little confusion was the fault. Qu'est-ce que le mot on nous dit concernant le mot penser? What is the definition of the word fault?
sait comme, comme ceci. From the dictionary, the fourth is. Ce que quelqu'un pense. What something is thinking. Son vœu. What his wish is. Alléluia. Alléluia. Ce que quelqu'un pense et ce qu'il sort. What is something good? What something is thinking? What something wants? And someone wants? And what somebody wants? Ce que la personne veut. Thinking. Ce que la personne pense. And veut vouloir wish. Wish and what something someone wants. Wish. Alléluia. Alléluia. So c'est secondly. On nous donne un exemple. On nous donne des exemples. Laisse-moi définir tes pensées. Let me. Ça c'est. Let me. Laisse-moi définir. Let me think. Let me try to catch your thoughts. Let me try to catch your thoughts. Alléluia. Let me try to catch your thoughts. I'll think of what you're thinking. Laisse-moi penser. Oh, guess. Yes. Let me guess your thoughts. Laisse-moi définir tes pensées. As an example. That was the definition one. La première définition. And that's pensée avec double A. And it was fought with as a word. Understand, I'm not that good in French, but I did my research. Yes, yeah, that's pensée avec A. That's the word. And fought. The first definition. Second definition. Activité psychique. Physique activity. Faculté à lieu pour objet la connaissance. And the faculty that has that drive to get more knowledge. Alléluia. Activité psychique. The psychological activity. Faculté à lieu pour objet la connaissance. And something that drives to know to have knowledge. Alors moi j'aime beaucoup les mots similaires, les synonymes. Ce qui m'intéresse beaucoup. The synonym for this word. Quand on parle de la définition. When we speak about definition. Alors, on nous a donné ceci. Je n'ai pas tout étudié quelqu'un. Mot similaire. Le premier mot que le dictionnaire nous donne, esprit. The first word similar or synonym is spirit. Ça veut dire qu'on dit avoir la pensée de Christ. Selon le dictionnaire, ça dit avoir l'esprit de Christ. And according to the dictionary, having the thought of Christ is having the spirit of Christ. Parce que on dit c'est un mot similaire. Because we say that it's a similar word. It's a similar the mot pensée esprit. The word thought is also the word spirit. And intelligence. Raison. Reasoning. Entendement. Understanding. Avoir le même entendement que Christ. Having the same understanding that Christ. Having the thought of Christ égale à avoir l'esprit du Christ. Means that you have the same spirit as Christ. Égale à avoir l'intelligence du Christ. Means that you have the same intelligence as Christ. Égale à avoir la façon, le raison du Christ ou la raison. And same as having the reasoning of Christ. Avoir l'entendement du Christ. Having the understanding of Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je pense que là, on est en train de régler beaucoup de questions qu'on a eu le vendredi. Mais est-ce que pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, comprenez un peu, ça va aider. Apologize for those who are not here on Friday, but everyone's definition was. Et j'ai compris, après penser, on écrit aussi penser avec ER à la fin. And we also write penser with ER. Et donc, je cherche à savoir ce que cela voulait dire. And I was trying to understand what that means. C'est un verbe intransitif. It's an intransitive verb. Appliquer son esprit à concevoir, à juger quelque chose. To put your spirit to conceive, to judge something. La faculté de penser. The faculty of thinking. Mot similaire à juger. The similar word is raisonner. Judge, reasoning. Réfléchir. Reflect. The second definition is exercer son activité cérébrale. To exercise
organise prayer activity. Avoir des pensées. Having some thoughts. Appliquer sa réflexion. To apply on reflection. Son attention à. His own attention at something. Ça veut dire qu'on applique notre réflexion à la personne de Christ. We are applying our own reflection to the person of Christ. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter avec les conseils. Je pense que ça va aider quelqu'un. I hope I'm going to help someone. En anglais, ça nous dit thoughts and think. In English, it's thinking. Having the thought of Christ. Avoir la pensée de Christ. Having the thinking of Christ. Avoir la pensée de Christ. As we thinking now, we having a thought before. Comme nous sommes en train de penser maintenant, nous avons eu à réfléchir à. So, when I say having a thought of Christ, ça veut dire on a avoir les pensées de Christ. Having the thinking of Christ. Avoir la pensée de Christ, c'est avoir pensé comme Christ à chaque fois que nous pouvons vouloir penser. L'anglais nous dit ceci. In English, comme définition du mot thought. An idea. Une idée. Or an opinion. Ou une opinion. Produced by thinking. Qui est le résultat de la pensée. Alléluia. Or appearing suddenly in the mind. Similar word. Idea. Des mots similaires, l'idée. Notion. Line of thinking. Une ligne de pensée. Conviction. Une conviction. Conception. La conception. Vue et vue. Une vue. Et à the end, il se believe. Or the one that took it, I said belief. La pensée, c'est la croyance. Croire. Alors quand je me suis dit, alors la pensée, The fourth is also believing in French. Alleluia. Are we together? And then, you know what belief means? Qu'est-ce que la croire signifie? An acceptance that something exists or is true. Accepter que quelque chose existe ou est vrai. Especially without proof. Notamment sans avoir la preuve. The Bible said, when Jesus appeared to the disciples, quand Jésus apparaît aux disciples, one of his disciples wasn't there. Un des disciples n'était pas là. When he resurrected, he appeared to the disciples. Quand il est revenu, il a encore apparu aux disciples. One of them wasn't there, but Thomas. Thomas n'était pas là. And when he came back, the rest of the disciples said the master was here. Et quand il est revenu, on lui a dit que le Seigneur était revenu. And Thomas said. Et Thomas a dit. I will believe. When I see him, and when I touch his wound, lorsque je le verrai et lorsque je le boucherai, ses blessures. And then after time, the Bible says Jesus appeared again, and Thomas was there. Et après un certain temps, Jésus est apparu et Thomas était là. Jesus wasn't the one Thomas was asking, giving this answer to the disciples. Jésus n'était pas là quand Thomas avait répondu aux disciples. Mais quand Thomas a vu Jésus, he believed that really Jesus resurrected. Il a cru que Jésus avait vraiment résurrecté. But Jesus knowing the mind of Thomas. Mais Jésus ayant vu la pensée de Thomas, and he said to him, come and touch me. Lui a demandé de venir et toucher. Alléluia. Come and touch my wound, so you know that I'm back alive. Viens toucher mes blessures pour savoir que je suis vraiment. And then Thomas believed them. Et Thomas a cru. He asked for forgiveness to Jesus. Il a demandé pardon. And Jesus said, now you see me, you believe. Et Jésus lui a répondu que là, maintenant que tu m'as vu, tu crois. Better the one who believe without seeing. Mieux vaut celui qui croit sans avoir vu. And tout chrétien, c'est celui qui croit en Dieu. The true believer is the one who believes. We are having seen. But you see first that God. That you can see that God. That is a good Christian. Celui-là, c'est un bon chrétien. Mais nous sommes des chrétiens de foi.
We are Christians of faith. Qui veut d'abord voir, qui veut d'abord toucher. We want to see first and we want to touch. Pour que je puisse croire que Jésus est Seigneur, qu'il est ressuscité, je dois voir avec Jésus. To believe that Christ is our Savior, we need to see with our own eyes. Alléluia. Et comme deuxième définition en anglais, of belief, trust, faith, that or confidence in someone or something. C'est la avoir la confiance en quelque chose. Alléluia. Avoir la confiance en quelque chose, en quelqu'un ou en quelque chose. Avoir la confiance en quelqu'un ou quelque chose. De belief in someone. Alléluia. Ma prière c'est d'appeler que c'est que tu puisses voir en Dieu. My prayer is that you can believe in God. That God has established people to bring blessing in His church. That our pastor is a blessing for the church. That our pastor is a door for bringing blessing in our life. That you may believe that. That when you will see the blessing of God, that when you will see the blessing of God come into your life. I'm almost at the end of my message. Je suis presque à la fin de mon message. Alléluia. Amen. I will try to answer some question we had. How can someone have or know the mind, the thoughts, la pensée de Dieu? Je vais essayer de répondre à cette question. Comment quelqu'un peut avoir la pensée de Dieu? Comment quelqu'un peut avoir, savoir, connaître la pensée de Dieu? How can someone know, understand, because the thought of Christ? Avoir la pensée de Christ. For our title is having the thought of Christ. Est-ce que Dieu a des pensées? That's God has many thoughts. Dieu a beaucoup de pensées. That God has many thoughts. How can we know the thought of Christ? Ça, c'est ce sont les questions. What are some questions we have? Et nous allons répondre cela pas avec nos mots, mais la parole de Dieu. And we are trying to understand that through the Word of God. Pas avec nos connaissances, mais la parole de Dieu qui a été inspirée. With the Word of God that was inspired. Parce que la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. And it goes, the people were pushed by the Spirit that people have spoken. And everything that has been written has been revealed to us. That the Bible is the revelation of God. And any kind of answer for a Christian need to come out from the Bible. As God has the mind. Si nous ouvrons nos livres, if we open our Bible, dans le livre de Romains, in the book of Romans, Romans 11. Romans 11, I'm going to read 2 verses. 34. Romains 11, verset 34. Are we there? Yeah. Ça, c'est la première parole du jour. Est-ce qu'on peut se tenir de vous prononcer la parole de Dieu? We are reading the word of God and can we stand up to follow the word of God? Thank you very much, que le Seigneur vous bénisse. Le respect que vous donnez à la parole de Dieu. I thank you for the respect, for the honor that you give to the word of God. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça en français? Can someone read it in English? Nous lisons en Romains chapitre 11, verset 34. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Alléluia. For who has known the mind of the Lord? Or who has become his counselor? Alléluia. Vous pouvez vous mettre, please. Thank you very much.
pensée de l'Éternel. For who has known et qui est devenu son conseiller. Of the Lord and who has en lisant ces passages, nous comprenons déjà que Dieu a des conseils. So by reading this verse, we understand that God has a thought. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qui a connu. But the Bible says who has known his thought. Alléluia. Et ça veut dire Dieu a des conseils. That means that God has a thought. Alors si Dieu a des conseils, c'est possible qu'on puisse marcher sur les conseils de Dieu. So if God has a thought, it means that we can work according to the thought of God. C'est possible qu'on puisse vivre. It's possible to start living according to the thought of God. Parce que Christ s'est dit que moi et le Père on est un. Because Christ said that me and the Lord and the Father we are one. Le conseil du Père c'est le conseil de Christ. And the thought of the Lord are the thought of the Father. Alléluia. Alors Dieu au Christ a le conseil. C'est possible que l'Église et les dieux puissent marcher selon les conseils de Dieu. The Church of Christ needs work, can work according to the thought of Christ. Selon les pensées de Christ. According to the word of Christ, the thought of Christ. Romains 12. Romans 11. Verset 2. Romans 12, sorry. Verse 2. Romains 12, verset 2. Nous lisons Romains chapitre 12, au verset 2. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia! Ce qui est bon, agréable et parfait. What is good, agreeable and perfect. C'est ça là, le pensée de Dieu. That are the thoughts of God. Parce que dans la Bible on disait ça les mains de Dieu. La Bible en anglais c'est ceci. New King James. And do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind. Alléluia. Ça veut dire Dieu veut que nos pensées puissent être changées, que nos pensées soient renouvelées. God wants our thoughts to be renewed. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. The perfect will of God. La pensée parfaite de Dieu. Alléluia. La pensée parfaite de Dieu. Nous devons renouveler nos pensées. We need to renew our thoughts. Parce que toutes les choses ont des conséquences. But everything has a consequence. Quand nous étions païens, on marchait selon nos pensées. When we were still in the world, on vivait selon les pensées du monde. We were working and walking according to the thoughts of the world. Tout ce que nous faisions, on le faisait selon le monde. Everything we were doing according to the world. Maintenant nous sommes venus chrétiens, nous sommes devenus chrétiens. Now we have become Christians. C'est une vie nouvelle qu'on a commencé. It's a new life we have started. Nous devons apprendre les choses de la vie qu'on a commencé. We need to start learning the thing of the life we have started. Personne ne peut dire que moi je me connais dans les choses spirituelles. Anyone, no one can tell that I know everything. Moi je suis maître du monde spirituel. That I've mastered the spiritual thing. Parce que nous a vécu beaucoup selon la flèche. Because we have lived a lot according to the flesh. Selon le corps, according to the body. Maintenant nous devons apprendre les choses célestes, les choses de l'esprit. But now we need to learn about the spiritual thing, the spiritual thing. Our thoughts need to be renewed. Nous devons aspirer à avoir la façon de Dieu, la façon de Christ. We need to aspire in having the thought of Christ. Because Christ has lived with God. Il a vécu sur la terre comme un Dieu. And he lived on earth as a God. Parce qu'il n'a pas laissé la chair le contrôler. And he didn't leave the flesh to control it. Alors c'est lui qui a la pensée de Christ. Vit la vie de Christ sur la terre. And he was the thought of Christ, lived the life of Christ on earth. Christ s'est donné un corps pour nous prouver que tu peux vivre sur la terre comme un Dieu.
Dieu. And the cross gave himself the body so that to prove that you can live on earth as you can live in the earth. Alléluia. Avec cette poussée céleste. With the thought that comes from heaven. Glory to Jesus. Glory to you. Glory to Jesus. Amen. Romans again. It's time. Romans 15. Romans 10. Verse 5. Verse 9. Lisons Romains 15 au chapitre 15, verset 5. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense qu'en français, ça ne donne pas comme ça devait donner. En anglais, ça dit aussi. Now, may the God of patience and comfort grant you to be like-minded. Alléluia. To be like-minded. Like-minded. What am I? Like-minded toward one another. According to Christ Jesus. Alléluia. Ça veut dire nous, comme Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Means that just like Jesus said, love each other like I loved you. Il nous conseille de nous vivre ensemble. He's advising us to live together. Avec les références Christ. And having the reference. Ça veut dire nous devons vivre la vie de Christ. We need to live the life of Christ. Entre one another. Between ourselves. Alléluia. Moi et Papa Destin. Me and Papa Destin. Nous devons vivre ensemble. We need to live together according to Christ. C'est toi qui te comportes envers lui, et lui doit se comporter envers nous comme Christ devait se comporter envers nous. I need to behave with him and him with me as Christ would have behaved towards us. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous? What Christ has done for us? Qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? What Christ has done for the church? Il a abandonné toute chose pour toi et moi. Yes. Dropped everything for you and me. Il est descendu pour nous racheter. He has come down to redeem us. Il a oublié qu'il était Dieu. He forgot that he was God. Que les anges adoraient. That the angels were adoring him. Il a regardé à cela. He didn't look at that. Mais Christ est venu. But Christ came. Il a porté le corps de ce que lui-même avait créé. And he bore the body of what he had created. What he said. That the Creator now wearing the body of what he created. What a way of getting turning onward. But that the way Christ, that what Christ did for me. May Christ be our reference. Quand tu es devant ton frère, when you are before your friend. Because Christ himself forgot that he was Christ. That you may behave accordingly with your brother. You may love him like Christ has loved you. That you may sacrifice yourself just like Christ sacrificed himself. That what it means having the thought of Christ. Or having the thought of Christ. Because in the church, we can see people having bitterness to one towards another. Dieu l'a dit, on a demandé à Jésus combien de fois nous pouvons pardonner. And in the Bible, we remember when they asked Jesus how many times we can forgive each other. Qu'est-ce que Jésus a donné comme réponse? What Jesus has answered them? Somebody knows. The chicken and the story. Pardon? Seven times. 70 times 7. Par jour. Per ça veut dire tu n'as pas le temps de garder. Si on t'a fait du mal. So you don't have the time to si quelqu'un t'a blessé. Bitterness, why someone has tu n'as pas besoin de dire moi aussi je dois le you don't have time to aujourd'hui il doit le voir. That me is going to see. Parce que Christ t'a pardonné. Pardonne aussi. Because Christ has forgiven you. You are going to forgive. Christ a oublié tes erreurs. Oublie aussi.
God, please has forgiven your Having the thought of Christ. It's behaving like Christ. Alleluia. En Corinthiens. First Corinthians. Chapter 2. First Corinthians chapter 2. Verset 7. Verse 16. For who knows the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Qui connaît la pensée du Seigneur, qui peut lui donner des conseils? Mais nous avons la pensée de Christ. Alléluia. We have the mind of Christ. Nous avons la pensée de Christ. Which means if up to now you haven't understood as Christian, you need to have the mind of Christ. You have sight. Si jusqu'à présent tu n'as pas compris en tant que chrétien que tu dois avoir la pensée de Dieu, de Christ, tu es en dehors. The apostle said, we have the mind of Christ. Les disciples avaient dit qu'ils avaient la pensée de Christ. We have the thinking of Christ. Nous avons la pensée, la manière de penser de Christ. We have the thought of Christ. Nous avons la compréhension de Christ. Alléluia. I still stay in the Bible. Nous sommes encore dans la Bible. The book of Isaiah 55. Dans le livre d'Isaïe 55. Verse 8. Au 8e verset. The Bible declares. La Bible nous dit. For my thoughts are not your thoughts. Car mes pensées ne sont pas les vôtres. Know your ways, my ways, niveau, says the Lord. Niveau vos chemins, les miens. Alléluia. For my thoughts, I know your thoughts. Car mes pensées ne sont pas les vôtres. So by giving this thing, this subject in the church, en ayant donné ce sujet à l'église, God wants us to forget about our thoughts. Dieu veut que nous puissions oublier and to live as by his thoughts. Et que nous puissions vivre selon ses pensées. We need to try to find what is the thought of God. Nous devons chercher à savoir quelle est la pensée de Dieu. And live according to the thought of God. Et vivre en accordance avec sa pensée. Alléluia. Alléluia. Philippiens. Chapter 4. Chapitre 4. Verse 7. Verset 7 à 8. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and mind through Christ Jesus Christ. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus Christ. In Jesus Christ. Car vos pensées doivent être gardées en Jésus Christ. Your heart, your soul need to be guarded in Jesus Christ. Votre cœur, votre âme doit être guidée par Jésus Christ. C'est alors que nous allons vivre selon les pensées de Christ. That's when we will be living according to Christ. Verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good, report. If there is any virtue and if there is any praiseworthy, meditate on these things. Alleluia. And such is so the mind de Dieu. The mind of Christ. What are the thoughts of Christ? Whatever things are good. Whatever things are just. Tout ce qui est juste, tout ce qui est bon. Tout ce qui est agréable. Whatever things are of good report. Tout ce qui est honorable. There is any virtue. Tout ce qui est de bonne vertu. If there is any praiseworthy, meditate on this.
Que nous puissions méditer sur cela. Alléluia. Méditer ton X. Que nous puissions méditer sur cela. This is the Bible telling us what is the mind of Christ. La Bible is what is lovely. Quelles sont les pensées de Christ? Et c'est tout ce qui est bon. What is praise worthy? Tout ce qui est bon d'être loué. Ouais. Et la Bible nous dit méditer sur ça. And the Bible says meditate. Alléluia. Ouais. Nous savons ça depuis les enfants, les adultes, nous savons. And we know that from ce qui est bon. Friends, the others. Les enfants doivent savoir ce qui est bon. Tu peux faire ce que les parents vous savez louer. What is good so that the parents can praise? What kind of behavior you need to have for your father, your mother to praise you? Quels sont le genre de comportement que tu dois avoir pour tes parents? For your father to find you, to call you a good child. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ton père, ta mère, ta mère, meditate on it. Et quand tu le sais, la Bible nous dit de le méditer. Do it. Ça veut dire fais-le. Focus on it. Fais-le. Live according to it. Vie en accordance avec cela. You shouldn't be a child. Every time you come home, your mom has to scream. Your dad has to scream. You have to be a child who brings joy to the house. Tu ne dois pas être un enfant sur qui on crie tout le temps. Tu dois être un enfant qui apporte la joie. So meditate on anything good. Alors médite sur tout ce qui est bon. It's not just a child, it's a parent as well. C'est aussi pour les parents. Meditate on everything that is good. Médite sur tout ce qui est bon. Apporte la joie dans ta famille. Bring joy to your wife. Apporte la joie dans ta femme. Bring joy to your husband. Bring apporte joy la joie dans ta famille pour tes enfants. Meditate on everything that's good. Médite sur tout ce qui est bon. Bring joy to your neighbor. Apporte la joie à ton voisin. That is a living according to the mind of Christ. C'est ça, vivre en accordance avec la pensée de Christ. Alléluia. Et la pensée de l'homme will take you to death. Va t'apporter à la mort. Va te porter à la mort. Christian, we have to change our mind. You shouldn't live like a man. You shouldn't think as a man. Think as God, as Christ. En tant que chrétien, nous ne devons pas vivre comme un homme. Nous ne devons pas avoir la pensée des hommes, mais nous devons avoir la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Can you read the book of Mark? Dans le livre de Marc. I'm already closing. Je ne sais pas si tu as I cannot finish without speaking about the thoughts of a man. Je ne peux pas terminer sans avoir parlé de la pensée de l'homme. Alléluia. So, the book of Mark 7, nous avons verset 20. Marc, au chapitre 7, et au verset 20. And 23. Somebody got it in front, can you read it as well in front for us, please? Disons Marc chapitre 7, au verset 20, je lis au nom de Jésus. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impuretés, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans en suivant l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Ça, ce sont les pensées de l'homme. What are the thoughts of man? Et si tu vis à cause d'une selon les pensées de l'homme, c'est ça qui sortira de toi. And if you live according to the thought of man, et à chaque fois tu seras expliqué. And you'll be. I will try to read it for the English people. I'm going to try to read it. And he said, what comes out of man that defile a man? For from within, out of the heart of man, receive evil thoughts, adultery, fornication, murder, theft, covetousness, wickedness, deceit, lawlessness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come
do is to remove all those things. But what he wants us to do is to help the fall as we were reading in the book of Philippians. Que l'on puisse vivre selon la pensée de Dieu. So that we can live according to the will of God. Pour finir, to finish, notre dernier verset. Our last verse. On a fini. And we are finished. Nous sommes dans le livre de Corinthiens. We are in Corinthians. And Corinthians. 1 Corinthians. 2. Verse. Mais nous allons lire cette fois-ci verset 11. And we are living, reading the 11th verse. Alléluia. Et là où nous finissons, c'est là où on avait commencé le dimanche et le vendredi. Where we are finishing now is where we started last. David dit ceci. For what man knows the thing of a man, except the spirit of a man, which is in him? Even so, no one knows the things of God, except the spirit of God. Alleluia. So, a man's spirit, no one is in man. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir toi-même. You can lie to everyone, but you cannot lie to yourself. Alléluia. Tu ne peux pas te mentir toi-même. You cannot lie to yourself. Not the Bible said this. La Bible nous dit encore. So no one knows the thing of God except the Spirit of God. Que personne ne connaît la pensée de Dieu. How can I walk according to the thought of Christ, of the mind of Christ? Alors comment puis-je marcher selon la volonté de Dieu? It's by the Holy Spirit, the Bible said. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sont de l'Esprit. That the Holy Spirit. L'Esprit de Dieu. The Spirit of God pray for us with Because ça ce que Dieu veut pour toi. Because they know he knows what God wants. Et parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ça amène ce que toi tu ne peux pas dire dans ta bouche. And because you are filled with the Holy Spirit, speak what you cannot say with your mouth. Il y a que l'Esprit de Dieu, tu connais ce qu'il y a en Dieu. It's only the Spirit of God that knows what is in God. C'est possible de vivre according to the Holy Spirit. Et le chemin, c'est le Saint-Esprit. And the way is the Holy Spirit. C'est ce que Paul nous dit. That's what Paul is telling us. Parce que l'Esprit de Dieu connaît ce qui est en Dieu. For the Spirit of God knows what is in God. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. The Bible tells us when God created man in heaven on Eden, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. The Lord said, we're going to create man in our image. C'est au pluriel. Et cela fait voir que Dieu a s'est concerté avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. And then later on is when God, the Holy Spirit and the Son came together to create man. Et la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. And the Bible tells us really in reality in man is spirit. Il a mis son esprit à l'homme. When God was creating man, he put his spirit in man. C'est aussi la pensée. And the spirit is also false. That's why the Lord wants us to think like him. To have a thought process like him. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, Jesus Christ, when he came here on earth, pour faire le miracle, to do miracles, pour guérir les malades, to heal the sick. Il pouvait faire des grandes choses. He could have done big things. Il pouvait arrêter le vent. He could have stopped winds. C'est ça la pensée de Christ. That's having a thought of Christ. Nous qui sommes sur terre, we devons on earth, avoir cette mentalité-là de Christ. We must also have that mentality of Christ. Cela nous aidera, bien-aimés.
That's what helped us with the aller plus loin, to go more further, à réussir dans la vie, to have à vivre une vie qui honore Dieu, to live a life that honors God. Voilà pourquoi la Bible nous dit, that's what the Bible tells us. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur. You have not received a spirit. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. You have not received a spirit. Mais un esprit de force. But a spirit qui a été donné par le Saint-Esprit. Pour réussir dans la vie élevée. Nous ne pouvons penser comme nous-mêmes. We cannot think like ourselves. La peur. When the spirit, en nous, il y a le doute. When there's doubt, en nous, il y a beaucoup de choses négatives. When there's many negative things. Cela nous empêche d'aller plus loin avec Christ. That stops us from being able to pray. Pensez grand, bien aimé. Think like Christ. Pensez comme Christ. Think like Christ. Dieu, quand il a créé, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. When God created the light, he said, let there be light. Il a séparé le ténèbre et la lumière. Nous avons la pensée de Christ en nous. We have that force. Nous sommes des dieux en miniature. We are God. Nous déclarons les choses et les choses en nous. We must declare things in Christ. Je veux que tu puisses te lever ensemble, nous allons prier. I want where you are to. Je veux que tu pries par rapport à ta vie. Pray about Christ. Pray to think like Christ. Pense comme Christ.